Me voici. Hey, salut tout le monde, voici Wilbert. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode de Building My World. En arrière, un magnifique coucher de soleil. Bon, on se retrouve pour la suite de ma petite aventure survie. Bon, je vais manger ça parce que je vais mourir. On va descendre à ma maison. J'ai fait quelques modifications, vous allez voir. Voilà. Ben, la maison est pareille, j'ai rajouté ce petit coffre. Bon, ici. Ah, ouais, c'est ça. Bon, je vais vous expliquer. Bon, ici, là, j'ai agrandi un peu plus. Et là, j'ai commencé à faire une mine. Et puis, j'ai trouvé quelque chose de très intéressant en bas. Déjà, je vais me faire une pioche en iron et en fer. Voilà. On va descendre en bas complètement. Voilà. Alors ici, ben, en creusant, en descendant, j'ai continué un peu justement hors vidéo. Puis en creusant un peu, j'ai trouvé une grosse mine. Alors ça, on va le miner tout de suite parce que je viens d'en avoir de besoin. Ouh, j'ai comme des petits lags, désolé. Bon, ici, il y avait de la lave partout en fait. On va ramasser le fer. Je vous dis tout de suite, la vidéo d'aujourd'hui ne va pas être super longue. Et puis, voilà, du diamant. C'est pas merveilleux. Le premier diamant de trouver. Oh là 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 là. Voilà, on va faire quand même faire attention. Ouais. Parfait. Donc voilà, alors, on est environ à la couche 9. Ben ouais, c'est la couche 8. Ici c'est la couche 9. Voyons. D'accord. Premier diamant trouvé. Alors c'est déjà une très bonne nouvelle. Je dis qu'on pourrait peut-être explorer la mine parce que elle semble grande. On peut aller vers là-bas. J'avais commencé à mettre des torches, mais j'avais pas trop exploré. Si je me souviens, il y avait un squelette, mais je pense qu'il est disparu. J'ai encore. Regardez, je vais manger de la chair de zombie. Ne faites jamais ce que je viens de faire. Ok, ici ça a l'air intéressant. Là, il y a du lapis. On va aller la chercher. Bon, voilà. Ah, il y a ça. Parfait. Ah, la redstone, moi ouais, j'aurais pu la prendre aussi. C'est juste qu'il y en a tellement que j'apprends pas tant là, mais pourquoi pas la prendre. Allez, on a 4 diamants. Je pense qu'on va aller tout de suite mettre ça dans un coffre. Je sais pas pour l'instant qu'est-ce que je vais me faire. Si je vais me faire une. Je pense que je vais me faire une pioche en diamant pour pouvoir aller dans le Nether rapidement. On est arrivé par là-bas. Ouais, ça déjà, ça je pense que je vais faire un genre de pont, je sais pas trop, pour pas tomber. Voilà un petit chemin. On va remonter en haut. Voilà. Ah, il fait jour, alors je pense qu'on va aller en profiter pour aller dehors. Je vais mettre ça. Par la suite. Je pense que je vais mettre des trucs dans le coffre parce que là je commence à avoir beaucoup de choses sur moi. Parce qu'on va déjà commencer la base de la maison. Je sais pas trop quoi faire pour l'instant, je vais vous avouer. Je sais pas trop par quoi commencer en fait. Je pense qu'on va commencer peut-être de l'agriculture. Faut du bois. Voilà. Un beau coffre. Je vais mettre ça là-dedans. Et ça, j'en ai pas besoin. La pelle, on va la garder. Voilà. Comme ça. Ah, on va peut-être juste mettre ça ici. Comme ça. Bon. Une belle journée. Ensoleillée. Ah, si je me fie au soleil. Il est déjà midi. Je pense qu'on va aller. On va faire déjà. On va aplatir le terrain. Moi, je pense. Ce serait une bonne idée si on ferait notre maison ici. N'est-ce pas?
Ouais, je pense que ça, la maison, on va la commencer dans le prochain épisode. Pour l'instant, je vais prendre des graines. Puis avec ces graines, on va les planter très profond dans le sol pour en faire du blé. Bon, je pense que j'en ai assez. On va commencer la petite agriculture là-bas. Je vais aller bûcher. J'ai pas le goût d'utiliser mon bois qui est déjà dans mes coffres. On va se faire des belles barrières. Comme ça. Les barrières, c'est comment déjà? C'est comme ça. Non! Voyons, je suis bien con. Ah oui, c'est vrai, je me souviens. Bon, ben, on va aller rebûcher un peu parce qu'il manque du bois. Bon, la nuit commence déjà à tomber. Mais c'est vraiment passé vite. Je pense, sérieusement, j'aurais dû. Prioriser la laine pour pouvoir me faire un lit parce que là j'ai pas de lit puis la nuit est vraiment longue. C'est ici. Ah, là-bas il y a une vache. Je sais pas, je regarde voir si il y aurait pas s'il y aurait pas des moutons parce que là voilà, j'ai ramassé. Voilà, j'ai eu du sable. Oh. Oh non. Y a trop de monde. Ouf. J'ai pas assez proche, hein. J'ai pas assez proche de mourir, je vous avoue. Non, vraiment. J'ai le goût de faire mon agriculture dans et ici, mais plus haut. Vous allez voir. On va mettre ça comme ça ici. Alors voilà, j'ai tout agrandi en haut. Comme vous pouvez voir. Alors, je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait. En fait, c'est que je me suis dit, ah ben tiens, j'aimerais bien faire de l'agriculture, mais à l'intérieur de ma cabane, en fait. Donc, je me suis dit, pourquoi pas le faire faire un deuxième étage. Alors, vous regardez ce que j'ai fait ici. Alors, voilà. Alors, ici, je vais faire pousser le blé. Et puis, je vais creuser, en fait, regardez. Je vais creuser une couche plus haut et puis je vais mettre de la vitre. Donc ça va vraiment faire beau, je pense. Ouais, je pense que ça va être stylé en fait, ça va être vraiment beau. Et puis je vais tout aménager ici, ça va être ma petite salle d'agriculture. Alors ça, je vais juste la mettre. J'avais mis ça ouais, ici. Voilà. Voilà. Comme ça. Donc, je pense que ça va faire beau. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer comme d'habitude. Et puis, à vous abonner, hein, ça fait toujours plaisir. Et puis, on se dit à la prochaine!